Bonjour tout le monde, ici TechnoRalph. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sculpter un modèle dans Blender qui pourra ensuite être imprimé 3D. Le modèle va ressembler à quelque chose comme ça. Cette vidéo va être plus longue et plus complexe que les autres que j'ai faites, donc n'hésitez pas à mettre sur pause quand vous avez besoin pour vous assurer de bien comprendre et n'hésitez pas non plus à réécouter les vidéos plusieurs fois. Donc ici, j'ai la scène par défaut de Blender, comme d'habitude. Mais peut-être vous avez remarqué que la plupart des couleurs de mon interface sont différentes que dans les autres vidéos que je faisais. Ce que j'ai fait pour changer les couleurs de l'interface, et que vous pouvez faire aussi, je suis venu dans User Preferences, ici, et dans Thème, vous pouvez tout changer, et littéralement toutes les couleurs que vous voulez dans chacun des éditeurs de Blender. Donc, vous pouvez choisir tous les différents éditeurs ici, et changer toutes les couleurs à votre goût. Quelque chose de plus rapide aussi que vous pouvez faire, c'est choisir différents thèmes qui sont installés avec Blender, donc il y en a plusieurs, et à mon avis, il y en a quelques-uns qui sont assez bien pensés. Ou vous pouvez créer votre interface personnalisée complètement à votre goût. Une fois que le thème est à votre goût, vous pouvez sauvegarder les préférences ou sauvegarder le thème lui-même en cliquant sur « Plus », tapant le nom et faisant « OK ». Donc, je vais reprendre mon thème que j'ai fait. Donc, une dernière chose que je vais vous montrer, que j'ai changé dans l'interface, c'est dans Système et la case à cocher Region Overlap. Donc, si je l'enlève, vous pouvez voir que le panneau ici sur le côté redevient normal. Quand je le coche, le panneau devient semi-transparent. Donc, vous pouvez voir vos objets au travers de ce panneau. Si vous voulez changer la transparence du panneau, vous n'avez qu'à venir dans Thème sous 3D View, aller en bas et cliquer sur la couleur de Region Background et changer cette valeur ici qui s'appelle le Alpha. Donc vous pouvez voir sur le côté que la transparence change. Donc si vous voulez créer votre propre thème, je recommande que vous jouiez tout simplement avec toutes les couleurs pour tester qu'est-ce que vous aimez et tester qu'est-ce que chaque couleur change en effet. Pour personnaliser mon interface, j'ai aussi ajouté un add-on qui s'appelle PyMenus. Donc, vous pouvez l'activer en venant dans Add-ons et puis dans PyMenu. Ici, vous pouvez, il y a deux types. Donc, vous pouvez cocher celui que vous préférez ou vous pouvez cocher spécifiquement ceux que vous préférez dans chaque groupe. Ce que les PyMenus font, c'est que quand vous utilisez certains raccourcis dans Blender, par exemple ici Tab, Blender vous propose un menu et vous pouvez choisir différentes options qu'il vous propose. Donc moi je trouve que c'est très pratique, je vais les utiliser pour ce tutoriel, vous pouvez les activer ou non comme vous voulez. On peut maintenant commencer notre modèle, donc je vais tout sélectionner et supprimer. Je vais plutôt utiliser une plane, une surface plane pour ce modèle. Je vais me mettre de dessus. Je vais venir en Edit Mode et je vais faire un Loop Cut sur l'axe Y. Donc ici, je vais sélectionner ces deux vertex, les supprimer. Je vais venir dans le panneau ici, dans Modifiers, et je vais ajouter Miroir. Ce que ce modifier fait, comme le nom l'indique, il fait miroirer votre objet sur l'axe que vous choisissez. Donc vous pouvez choisir X, Y ou Z. Par défaut, c'est X, donc pour moi ça marche. Et quand je bouge quelque chose d'un côté, l'autre côté refait la même chose. Maintenant, il est important de noter que ce modifier miroir à partir du point d'origine, qui est le petit point qui est le centre de votre objet. Donc, si je viens en Object Mode et je bouge, vous voyez que le petit point bouge avec l'objet. Si je viens en Edit Mode et que je sélectionne ça ici et que je le bouge, vous voyez que le point au centre reste à la même place, mais miroir quand même à partir du point d'origine qui est au centre. Donc ce que je vais faire, je vais activer Clipping, ce qui fait que le milieu de l'objet reste collé ensemble et on ne peut pas le séparer. Maintenant, je vais faire la forme de base de mon modèle. Je vais me mettre de dessus et je vais simplement bouger les vertex jusqu'à ce que j'ai une forme qui me convient. Je vais faire un certain nombre de loop cuts ici. Et ensuite, je vais juste lui donner une forme.
Maintenant que ma forme de base est faite, je vais pouvoir l'extruder. Je crois que je vais faire un petit peu plus haut. Puis je vais faire quelques loop cuts dans ce sens-ci. Je vais sélectionner ça ici. Et puis, je vais le rapetisser en activant Proportional Editing. Donc, je vais l'activer. Et puis, je vais utiliser Sharp. Donc, je vais commencer comme ça, peut-être. Et puis ensuite, je crois que je vais faire le reste à la main. Donc, je vais juste désactiver ça ici et faire le reste à la main. Donc l'idée ici vraiment juste de faire une forme de base, on va pouvoir l'améliorer tantôt si on préfère. Ensuite, je vais relier les différents vertex ici. Donc pour relier ces deux vertex, en créant une ligne qui passe au travers des autres et qui crée des vertex à leur jonction, je vais faire J. Et je vais faire ça pour le reste des vertex. Ensuite, je vais prendre ces deux vertex ici. Je vais encore utiliser Proportional Editing, cette fois-ci en Root ou Sphere peut-être. Je vais commencer avec Root, voir. Ouais, disons quelque chose comme ça. Donc, je ne vais pas affecter la ligne ici. Donc, je monte juste cette partie-là. Le reste, je vais devoir le faire à la main. Et puis, je vais faire une étape importante, sauvegarder. Donc, le but ici, c'est vraiment d'avoir juste une forme grossière de notre modèle, juste vraiment les grandes formes, vu qu'on n'a pas tant de vertex pour faire des formes rondes. Donc, je vais continuer à l'améliorer un petit peu. Ici, je vais utiliser un outil qui est pratique. Si je sélectionne un vertex et je fais G, bien sûr, ça va le déplacer. Mais si je fais G une autre fois, je peux le déplacer en suivant les lignes à côté de lui. Donc, je vais pouvoir le déplacer comme ça ici. Vous pouvez aussi ajouter des loop cuts au besoin. Tout simplement pour que le modèle soit le plus beau possible. Je crois que je vais étirer le tout un peu. Donc je vais juste tout sélectionner et agrandir sur l'axe Y. Bon, cette forme n'est pas mal du tout. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter un autre modifier, un subdivision surface. Donc je vais mettre quelques subdivisions pour vraiment faire la surface plus douce. Maintenant, dans quel ordre vous mettez les modifiers change la façon dans laquelle votre objet est fait. Donc, si je mets le miroir après, si je viens en mode objet, vous pouvez voir que la ligne ici n'est pas subdivisée parce que la subdivision est faite avant que l'objet est miroiré. Donc, important de s'assurer que nos modifiers sont dans le bon ordre. Et comme vous pouvez voir, à quelques places, j'ai des formes qui brisent un peu comment que l'objet, la surface de l'objet. Donc, ces choses arrivent quand dans votre modèle, vous avez des triangles et que vous utilisez un subsurface. Donc, je vais essayer d'arranger ces triangles. Je vais sélectionner cette ligne-là et la dissolver. Donc ça l'enlève sans
tout supprimer ce qui est autour. Et je vais aussi enlever ceux-là ici. Sans ce vertex, juste ceux-là ici. Donc, en effet, ça a amélioré la forme de l'objet. Vous risquez sûrement d'avoir des triangles à quelques places. Ce n'est pas la fin du monde, mais le mieux est d'améliorer notre objet le plus possible pour qu'il n'y en ait pas. Donc maintenant, je vais faire les yeux. Je vais sélectionner ces faces-ci. Je vais les intruder avec I. Et puis ensuite, je vais les extruder sur l'axe Z. Comme ça ici. Par contre, c'est peut-être trop gros. Donc, je vais juste refaire cette étape-ci. Je vais juste arranger les vertex ici pour que les faces soient un peu plus belles. Toujours avec G deux fois. Et même, je crois que je vais monter toute cette partie-ci. Juste un peu. Ensuite, je vais l'extruder sur l'axe Z. Donc, si je fais Z une fois, c'est libre. Et si je fais Z une autre fois, c'est vraiment sur l'axe Z. Et ensuite, si je tiens CTRL enfoncé et que je clique avec clic gauche, ça va extruder les faces ou ma souris. Donc, je trouve que cette façon de faire est vraiment pratique si on veut faire une courbe particulière. Sinon, tout extruder et tourner à chaque fois, c'est plus difficile. Donc, je vais refaire ça ici. Je fais juste des essais-erreurs jusqu'à ce que j'ai une courbe qui me plaise. Ensuite, je peux sélectionner les loops eux-mêmes pour changer la forme. Mais je viens de me rendre compte que j'aurais dû faire cette forme-ci un peu plus ronde avant de tout extruder, donc je vais faire ça maintenant. J'utilise toujours 2 fois G pour faire tous ces mouvements. Donc ça, c'est un peu mieux. Je vais maintenant pouvoir refaire cette étape-ci. Je vais sélectionner ces parties-ci et changer la forme comme ça me plaît. Il ne faut pas faire une trop grosse angle non plus pour pouvoir l'imprimer sans support idéalement. Vous pouvez toujours faire une plus grande angle si vous êtes prêt à utiliser des supports. Donc la forme des antennes est assez bien. Je crois par contre que je vais rapprocher le devant. Juste comme ça. Et puis, je vais faire les yeux. Donc, je vais utiliser Intrude ici pour faire les yeux. Mais je vais peut-être faire le devant de l'antenne plus plat. Et donc, je vais vous montrer quelque chose de vraiment pratique, simple mais pratique. Si vous faites S pour Scale sur l'axe Y de 0, la face va se mettre complètement plate sur l'axe que vous faites 0. Donc, c'est vraiment pratique et pourtant très simple comme concept. Je vais continuer à faire l'œil ici.
Et ici, je vais extruder pour faire l'intérieur de l'œil. Donc, il faut toujours s'assurer que l'angle n'est pas trop forte pour que ce soit imprimable. Je peux même rajouter plus de subdivision pour voir mieux. Je crois que je vais juste rapprocher la partie de l'intérieur. Et voilà, je crois que j'aime vraiment bien cette forme des yeux. Et le corps, je vais devoir, je crois, l'améliorer un petit peu. Donc, bon, je vais améliorer un petit peu le corps lui-même. Une chose qui est vraiment pratique quand on utilise des subsurf, c'est de intruder une face qu'on veut faire plate ou du moins avec des rebords ronds mais plates au centre. Donc je vais faire ça ici. Et comme vous pouvez voir, plus je le fais petit, plus je fais l'intérieur petit, plus les rebords sont arrondis. Par contre, puisque à cet endroit ici, la face est séparée en deux et ça fait deux insertions différentes. Je vais devoir appliquer le miroir avant de faire ça. Mais je vais quand même ajouter un loop cut ici pour faire le rebord un petit peu moins rond et même toujours en utilisant G deux fois. Je vais le baisser un petit peu pour faire le rebord moins rond. Donc, je vais venir en mode objet parce que les modifiers ne peuvent pas être appliqués en mode édition. Donc, je vais faire Apply et maintenant, vous pouvez voir que les deux côtés sont parfaitement symétriques. Je vais sélectionner le dessous. Et je vais pouvoir l'insérer. Donc, vu que ça va être sur ma surface d'impression, je vais m'assurer que le rebord n'est presque pas rond pour ne pas avoir une impression bizarre. Et puis, je vais le faire une deuxième fois pour vraiment que le rebord soit juste un tout petit peu rond. Je vais juste changer la forme du devant un petit peu. Et c'est le modèle Blender, c'est souvent comme ça. Vous vous apercevez qu'il faut changer une petite affaire par-ci par-là. Donc, vous l'améliorez au fur et à mesure que vous avancez dans votre modèle. Donc ça, c'est très bien. J'ai peut-être fait les antennes un peu trop grandes, mais non, je crois que c'est bien. Donc voilà, la forme générale de mon modèle est faite. Maintenant, je vais pouvoir commencer à sculpter. Première chose à faire, je vais enlever le subsurf et le remplacer par un multi-resolution. La raison est que pour sculpter, vous avez besoin d'utiliser un multi-resolution à place d'un subsurf. Pour subdiviser votre objet, vous avez seulement cliqué sur Subdivide quelques fois. Donc, moi, mon Subsurf, je l'avais mis 3 fois et je vais mettre celui-là aussi pour commencer. La différence est que si vous utilisez un Subsurf pour sculpter, seulement les vertex que vous pouvez voir dans le mesh, la forme de l'objet en Edit Mode, vont être changées. Tandis que si vous utilisez un Multi-Res, toutes les vertex qui font partie de la subdivision, donc tous ceux qu'on voit ici, vont être modifiés quand vous allez sculpter. Donc, pour aller en mode sculpter, venez ici dans le bas et changez comme ça. Ou si vous avez les Pie Menus activés, vous pouvez changer comme ça. Donc, je vais expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on a ici dans l'interface. Pour commencer, ici, on a tout plein de différents outils pour sculpter. Par défaut, il vous donne celui-ci. L'image qui indique les différents outils sont assez représentatifs de ce que les outils font. Donc, vous pouvez savoir qu'est-ce que l'outil fait comme ça. Mais je recommande que vous preniez n'importe quel modèle et vous vous amusiez à juste utiliser tous les outils un après l'autre, voir qu'est-ce qu'ils font. Donc, pour l'instant, je vais rester avec celui-ci. Ici, vous pouvez changer la grandeur de l'outil. Donc, maintenant, il est plus grand. Je peux le faire plus petit.
Ici, vous pouvez changer la force de l'outil. Et je vais m'en tenir à ça pour l'instant, c'est vraiment ce que vous allez utiliser le plus. Les raccourcis pour ces deux options sont F pour changer la grandeur de l'outil et majuscule F pour changer la force de l'outil. Donc, au centre, c'est plus fort et à l'extérieur, c'est rien du tout. Maintenant, si vous avez un crayon et une tablette pour, par exemple, dessiner à l'ordinateur comme un Wacom tablette ou quelque chose du genre, je recommande vraiment de l'utiliser pour sculpter dans Blender. Moi, j'en ai pas, j'utilise la souris. Ça fonctionne quand même, mais c'est plus facile et vous aurez des résultats potentiellement plus beaux en un meilleur temps en utilisant un crayon et une tablette. Donc, comme sur le modèle que j'ai montré au début, je veux faire des lignes comme ça partout sur le genre de larve que j'ai fait. Ensuite, je vais rajouter comme un peu des vagues dans ces lignes et à la fin, je vais rajouter des petites lignes, des petits détails pour vraiment y ajouter du détail à l'objet. Pour faire les lignes, je vais utiliser des options qui sont sous le panneau Curve. Donc, quand vous sculptez sur votre objet, et je crois que je vais rajouter une subdivision de plus pour mieux voir. Quand vous sculptez, je vais faire plus fort aussi, vous pouvez voir que si je pars du milieu jusqu'en bas, c'est la même forme que ça ici. Donc, vous pouvez choisir différentes formes. Donc, ça ici, c'est Smooth. Vous pouvez utiliser Sharp. Donc, le dessus est plus pointu. Et c'est ce que je vais utiliser pour l'instant. Vous pouvez le modifier vous-même ou juste choisir de ceux-là. Je vais aussi changer une dernière chose avant de commencer, sous Stroke. C'est ça ici. Ce que ça fait, c'est la distance à laquelle chaque coup d'outil, si on veut, va être donné. Comme si je vais très lentement, vous pouvez voir que ça donne des coups. Personnellement, je trouve que ce n'est pas tout à fait pratique. Donc, vous pouvez baisser ça à 1% et ça va être beaucoup plus doux. Je crois que c'est peut-être plus pesant pour l'ordinateur si vous avez un grand nombre de vertex, mais pour un nombre comme ça, ça va beaucoup mieux à mon avis. Petite note, si vous avez remarqué, quand je fait d'un côté, ça le fait de l'autre aussi. Donc ça, c'est sous le panneau Symmetry Lock. Donc vous pouvez choisir sur quel axe la symétrie est faite. Pour moi, l'axe X, c'est exactement ce que je veux. Donc il est temps de commencer à sculpter. Donc, vous pouvez voir que c'est beaucoup de essais-erreurs, comme beaucoup de choses dans Blender. Donc, vous essayez simplement de faire la plus belle ligne possible jusqu'à ce que ce soit à votre goût. Une autre petite note, vous pouvez changer la grandeur de votre outil, mais si vous dézoomez ou vous zoomez, l'outil reste la même grandeur, donc idéalement, si vous voulez faire des lignes de la même grandeur toujours, vous devez rester à peu près à la même distance de votre objet. Vous pouvez voir ici que les vertex sont bizarrement placés. Ça, c'est probablement, en fait, c'est une erreur dans mon objet. Je vais essayer d'y retourner et de l'arranger. Donc, malheureusement, ça va être un petit peu long à arranger, mais pour l'instant, je crois que ça va marcher.
Donc l'erreur que j'ai fait dans mon modèle, c'est que à cet endroit-là particulier, je n'ai pas assez mis de vertex, tandis que j'en ai mis plus ici. Donc ici, c'est fait des résultats plus beaux et ici, un peu moins beaux. Donc mon conseil est simplement d'essayer de mettre vos vertex plus égales partout sur votre objet. Je crois que je vais subdiviser une autre fois pour que ça soit plus beau. Et oui, en effet, c'est mieux. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux. Et maintenant que les lignes sont faites, je vais arranger ces parties-ci qui dépassent un peu trop avec un autre outil. Je vais utiliser Smooth. Donc, comme le nom le dit, ça adoucit les arêtes ou les bosses. Donc, l'effet de l'outil est beaucoup moins drastique que l'autre, beaucoup moins intense, mais c'est un autre outil vraiment pratique. Maintenant, je vais pouvoir faire les vagues ici sur les lignes. Pour ceci, je vais utiliser Rotate. Donc, la façon que cet outil marche est un petit peu différent. Vous cliquez où vous voulez que l'outil fasse son effet. Vous tenez enfoncé et puis, en tournant à l'extérieur, vous pouvez tourner votre objet. Donc, juste le faire un petit peu, mais je crois que je vais faire plus gros. Donc dans le bas ici, je ne vais pas trop le faire pour pas que ma surface de dessous soit tordue aussi, puisque je veux que la surface du dessous soit plane pour pouvoir l'imprimer. Donc j'ai fait des petites vagues partout sur mon objet. Ensuite, je veux essayer de faire que entre les bosses, ça soit comme plus profond, plus pointu un peu. Donc, je vais prendre Pinch peut-être. Je crois que c'est peut-être celui-ci. Ah ouais, c'est ça. Donc, je vais le faire dans toutes les cracks. En fait, j'aurais dû utiliser Crease qui est ici. Donc oui, ça va être mieux pour l'effet que je veux donner.
Donc voilà, maintenant j'ai fait que entre les bosses soient plus pointus, plus profonds. Prochaine chose qui reste à faire, c'est d'ajouter plus de petits détails sur le corps et sur les yeux. Donc, pour ajouter les détails sur le modèle, la procédure est un petit peu plus complexe et donc n'hésitez pas à la réécouter quelques fois pour vous assurer que vous avez bien compris. Je vais reprendre l'outil par défaut. Je vais venir dans Texture et ici, je vais cliquer sur la seule texture disponible. Et ensuite, pour choisir ma texture et les différentes options, c'est sur la barre ici, dans le menu ici, sous Texture. Donc, assurez-vous que c'est Brush qui est sélectionné. Ensuite, ici, dans Type, choisissez, ben moi je vais choisir Voronoi, qui est une sorte de texture, une image générée. Mais vous pouvez essayer les autres comme ça vous plaît. Donc, je vais prendre ça ici. Et donc, cette image, c'est celle qui est générée par ordinateur. Comme vous pouvez voir, quand j'ai sélectionné la texture, ça l'a sélectionné ici aussi. Donc, quand je vais utiliser mon outil, ça va recréer ces formes-ci. Par contre, en ce moment, je n'utilise pas la bonne façon. Il faut changer Brush Mapping. Donc, moi, pour ce que je veux faire, je vais utiliser Tiled. Donc, comme vous pouvez voir, ces formes-ci, ici, c'est en fait l'image elle-même que si on peut dire que je peinture sur l'objet. Donc, je vais reculer et mettre mon outil moins fort. Un petit peu plus gros, je crois. Vous pouvez aussi changer la grosseur de l'image ici. Donc, vous pouvez voir que la taille change en haut. Pour l'instant, cette taille est assez bien. Et je vais simplement ajouter des détails partout comme ça. Avant de faire ça, par contre, je vais revenir dans mes modifiers et subdiviser encore une fois. Donc maintenant, si vous mettez en wireframe, vous pouvez voir que le nombre de vertex est très grand, mais ça va vraiment donner une bonne résolution. C'est peut-être pas nécessaire d'en mettre autant pour juste une impression, surtout si c'est pas si gros. Et donc là, mon ordinateur est un peu lent à cause de l'enregistrement que je fais de l'écran, donc je vais baisser ça ici pour que ce soit plus fluide, et puis je vais peinturer les détails. Je vais aussi ajouter ces détails sur les antennes. Donc voilà, j'ai ajouté les détails. Ici, c'est peut-être un peu trop fort. Peut-être juste le faire un petit peu plus doux. J'en ai plus mis que à mon autre modèle. Je vais juste arranger ça ici. Bon, et quelque chose comme ça, c'est très bien. Et voilà, donc. Le sculptage est terminé. Maintenant, je vais retourner en mode édition et je vais donner une forme un peu plus naturelle, une position plus naturelle à la petite larve. Donc, ça ici, c'est le nombre de subdivisions que vous avez pour sculpter et ça ici, c'est en mode objet. Donc, je vais juste en rajouter un ou peut-être deux. Ah oui, ça c'est bien. Donc, si vous venez en Edit Mode, vous allez voir que c'est tous vos vertex comme auparavant. Mais si vous bougez quelque chose, par exemple juste là ici,
La sculpture est quand même gardée, ça étire bien sûr les formes, mais c'est quand même gardé, donc ça c'est très très bien. Donc je vais revenir en Edit Mode et puis je vais donner une position plus naturelle à la larve. Je vais juste m'assurer que la sculpture est encore bien sur en mode objet. On voit que c'est un petit peu étiré peut-être, mais c'est vraiment pas si drastique que ça. Donc peut-être l'idéal est de mettre la position que vous voulez avant de faire la sculpture, mais les deux sont faisables. Donc ici, pour une raison que je suis pas exactement sûr, il a fallu que j'élargisse un petit peu ce côté-ci, même si au départ il était symétrique, la position que j'ai voulu y donner, il a fallu que je bouge un petit peu les vertex, mais ça ne devrait pas vraiment affecter l'apparence finale. Donc, je crois que pour les yeux, ça c'est assez bien. Maintenant, je vais bouger le corps un peu. En fait, je vais peut-être juste changer l'angle un petit peu ici des yeux. Toujours en m'assurant que ça reste facilement imprimable. Donc oui, comme vous pouvez voir, et à certaines places, on voit que le sculptage a été étiré et à d'autres un petit peu compressé. J'aurais dû la positionner avant, mais comme vous pouvez voir, ça ne fait pas de différence drastique, donc les deux sont possibles. Maintenant, je vais faire une meilleure position au corps. Je vais utiliser Proportional Editing toujours, mais cette fois-ci, je vais le faire en rotation. Donc je vais prendre Sharp et je vais le bouger. Le tourner plutôt. Et ensuite je vais aussi le bouger comme ça. Je vais renfoncer un petit peu le côté avec sphère, je crois bien, ou peut-être root. Ouais, ça c'est pas mal. Et ça aussi un petit peu. Donc, une dernière vérification, voir si ça me semble bien. Le derrière est peut-être un petit peu trop pointu, mais je crois que c'est vraiment très bien. Peut-être ici, ça serait un petit peu plus dur à imprimer, on pourrait adoucir et on peut toujours, c'est bien sûr, l'améliorer. Donc, mais je suis assez satisfait comme ça. Et donc, on vient de faire un modèle dans Blender qu'on a sculpté, ajouté des détails, qui donne un beau résultat et qui devrait être quand même facilement imprimable. Et pour vous montrer, j'ai imprimé le modèle qui était au début de la vidéo, que j'ai montré au début de la vidéo. Et ici, vous pouvez voir le résultat. Donc, j'ai imprimé, ça l'a imprimé du premier coup, sans problème. Un résultat très satisfaisant.
J'espère que vous avez aimé la vidéo et qu'elle va vous aider. Je sais qu'elle était plus longue et plus complexe que les autres tutoriels que j'ai faits, mais ne vous découragez pas, réécoutez la vidéo plusieurs fois si vous avez besoin, posez des questions dans les commentaires et n'oubliez pas d'y mettre un like, vous abonner à la chaîne et je vais vous voir dans la prochaine vidéo.